l'immense plaisir et honneur de présenter dans le cadre de Smart City Casablanca le système d'information géographique de la NIDEC. Notre participation s'inscrit dans le cadre d'un partenariat solide. Nous sommes un acteur des services essentiels au niveau de Casablanca et donc il est tout à fait naturel qu'on soit présent comme un partenaire de la ville de Casablanca dans un événement organisé par la ville de Casablanca. Et donc j'ai eu l'occasion, comme je l'ai dit, de présenter cet outil-là. C'est le référentiel aujourd'hui qu'on a au niveau de la LIDEC pour exploiter, planifier les investissements, mais également gérer les interventions par rapport aux réclamations clients. Donc c'est un outil aujourd'hui de gestion des réseaux, mais aussi un outil d'amélioration de la performance de nos services, car il nous permet aujourd'hui d'optimiser le temps des interventions. Il nous permet aujourd'hui de piloter et d'ordonnancer l'activité travaux, tous nos chantiers qui s'opèrent au niveau de la ville. Aujourd'hui, on utilise la base de données SIG pour les gérer à travers cette base-là. C'est l'outil qui nous permet d'évaluer l'état de santé des réseaux pour une meilleure maintenance et un renouvellement ciblé des investissements. C'est l'outil aujourd'hui également qui nous permet d'avoir un lien entre les réseaux. C'est le point de connexion entre les réseaux et la base de données clientèle. Et donc, à travers ce référentiel unique, nous avons travaillé là aussi en partenariat avec la ville de Casablanca dans un projet d'adressage, c'est-à-dire de créer un référentiel unique d'adressage au niveau de Casablanca. Ce projet-là aboutit et aujourd'hui il est en phase de déploiement sur plusieurs arrondissements au niveau de Casablanca. Et nous sommes là aussi dans le cadre d'une convention avec l'agence urbaine de Casablanca. On est en train de travailler pour en faire l'outil, le référentiel unique, parce que nous on opère dans le cadre d'un contrat gestion délégué et le système d'information est un système d'information de la ville de Casablanca et aujourd'hui on est en train de le transformer comme un outil de référence pour toute la ville et qui peut aussi servir pour d'autres opérateurs, même au-delà de la ville, pour la région de Casablanca.